Petite information quand même, parce que accessoirement c'est bien de faire les choses correctement. Il va être comme ceci, cela va être posé comme cela. Donc accessoirement, ce qui serait bien, c'est que les fils soient comme ça. Alors maintenant, on va mettre le dissipateur. Donc il y en a trois au total et on va pouvoir les fixer directement aux endroits préconisé. Et donc voici la Raspberry. Donc petite information, on peut le connecter le ventilateur sur cette petite broche et je vous expliquerai un petit peu où est-ce qu'il faut les brancher et les deux possibilités qui sont et encore une autre fois de plus une autre petite subtilité. Avant toute chose, on va commencer à mettre les radiateurs. Donc là, alors très simple, on enlève la petite gommette. Et on n'a plus qu'à l'appliquer directement sur le CPU. Voilà. Pareil pour celui-ci. On va faire celui-ci d'abord parce qu'il est plus petit. Alors malheureusement, quelquefois, voilà, le plastique n'est pas bien mis. Ça peut arriver malheureusement. On le met juste ici. Et enfin, le dernier qu'on va placer juste là. Donc vous posez juste, vous recentrez et vous appuyez bien fort pour qu'il soit bien collé. Si vous l'appuyez bien fort, vous pouvez le mettre à plat, il n'y a pas de risque puisque tout est plat. Voilà, et ça vous permet de bien appuyer directement dessus. Pourquoi avoir branché le ventilo dans cette position? Mais parce qu'il va aller sur ces pins là du coup, et que si on regarde bien concrètement, ça sera comme ceci. Et au niveau du fil, il est préférable de l'avoir sorti ici plutôt que de l'autre côté, puisqu'il va être parfait pour éviter que ça puisse encombrer l'air qui passe. Donc voilà. Alors, deux possibilités pour brancher ce ventilateur. Il se branche sur la troisième broche. Donc, ici. Troisième. Donc là. Et première de la deuxième rangée. Donc première de la deuxième rangée. Troisième de la rangée supérieure. Et là, on est sur un ventilateur qui tournera normalement. Si vous voulez le mettre en high speed, il va falloir le brancher sur la première pin de la première rangée et la troisième pin de la troisième rangée. Moi, personnellement, je vous le déconseille parce qu'il fait un bruit du tonnerre. On n'est pas sur du couette, malheureusement. Après, à voir si on ne peut pas adapter. La deuxième subtilité que je voulais aussi apporter, c'est que éventuellement, avec un petit schéma très simple, très classique, avec un petit interrupteur, de pouvoir brancher
le switch du ventilateur entre le height et le normal avec juste un petit switch qui ferait la transaction entre les deux. Donc peut-être que je ferai un tuto dessus, mais c'est relativement assez simple à faire. Donc voilà, donc une fois qu'on a mis les radiateurs sur les emplacements adéquats, il ne reste plus qu'à placer le Raspberry dans sa partie du boîtier. Alors, donc très simple, il y a juste à mettre ici, vous avez deux petites encoches, à mettre ici le Raspberry sur ces deux encoches. D'accord ? C'est-à-dire que si vous le posez comme ceci et que vous forcez, eh bien, ça ne risque pas de rentrer. Donc vous avez deux petites encoches juste là et un maintien ici. Donc vous mettez votre Raspberry comme cela, vous enfoncez. Alors pas trop fort, hein, vous avez juste à pousser, hein, tout simplement. Ici, vous appuyez très légèrement, essayez, le Raspberry est dans son socle. Il ne reste plus qu'à mettre le boîtier par-dessus. Donc là, pareil, très simple. Vous mettez votre boîtier comme ceci. Vous avez juste à forcer un tout petit peu. Clac, ça y est, c'est intégré, c'est mis. Par rapport à l'ancien modèle, le Pi3, le socle, on pouvait l'enlever assez facilement. Le maintien n'était pas bien soutenu. Là, il est très très bien soutenu. Ça tient parfaitement bien. Et là, nous n'avons aucun problème. Nous avons donc la possibilité ici d'avoir un display port pour tout ce qui va être écran tactile en fait. Ben, l'écran tactile, en fait, vous allez le connecter juste ici. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à brancher cette version. Donc, rappelez-vous, troisième ici, premier ici. Et je ferai un focus pour qu'on puisse bien voir. Où est-ce qu'il est connecté? Très souvent de fois, on me demande où est-ce qu'on met les pattes. Alors en fait, juste ici. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à le poser. Alors le cas, vous voyez, c'est beaucoup plus simple de positionner son ventilateur comme cela. On a juste à le poser comme ceci. Voilà. Et le Raspberry est prêt à fonctionner. Nous avons donc le câble HDMI. Donc HDMI classique au niveau d'ici. Et ici, une micro pour pouvoir le relier. À l'endroit, c'est mieux. Hop. Pour pouvoir le brancher juste là, en fait. On a une prise sortie DIN. Donc c'est du 3,5. Donc voilà, la carte SD avec un système préinstallé et bien entendu un adaptateur pour pouvoir le brancher donc sur un port USB, USB ou USB-C, et la carte micro SD va juste ici. Alors je vais vous montrer, hop. Voilà, on n'a plus qu'à l'insérer à l'intérieur et après il n'y a plus qu'à mettre cela dans le PC pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà. Nous avons aussi une prise secteur. Alors beaucoup plus petite que la version 3.1. Le Raspberry 3.1, en fait, le secteur, en fait, commande d'alimentation et le secteur était beaucoup plus gros et beaucoup plus petit, beaucoup plus agréable. Voilà, et vous avez ici donc un interrupteur pour pouvoir allumer et éteindre le Raspberry. Je pense que je ferai aussi un tuto, puisque le problème qui se passe, c'est que moi, eh bien, j'ai plus beaucoup de prises et à chaque fois de brancher des appareils. Donc je vous montrerai aussi comment adapter sur un appareil la possibilité de réduire un petit peu ses prises secteur. Donc voilà. Disons que j'ai déjà un modèle tout préfait. Et comme vous pouvez le voir, alors je vais mettre le micro à côté. Là, il fait pas trop de bruit. Il est en normal. Et si on le positionne de l'autre côté, en height speed, eh bien en effet, il fait énormément de bruit. Je ne sais pas si on est bien entendu le bruit, il fait énormément de bruit.
Donc, je préfère le laisser comme cela, en normal. Il fait un peu moins de bruit, mais il fait encore du bruit. Et on fera aussi des tests pour savoir si vraiment ça chauffe énormément ou pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, ciao.